J'avais déjà une petite. Oui, j'avais déjà sérieusement envie de ça. Et mon père ne voulait pas, il n'avait pas pour moi. Bon, donc ça a pris du temps un petit peu pour se décider. Hein, ça n'a pas été immédiat. Et comme il tournait avec le louche, ça a été facile de le convaincre alors. Bah, il tournait avec le louche, donc du coup, il m'a prêté pour le film de le louche. Antoine Cyr. Il m'a prêté, oui. Oui, ça, Antoine Cyr, qui était le fils de Gérard Cyr, et qui était donc un grand copain de Lelouch. D'ailleurs, Gérard Cyr a prêté son fils pour le film. Papa Alidou m'a prêté pour le film. Voilà. On s'est retrouvés, la fille et le fils d'Anouk Aimée et Jean-Luc Trintignant. Et lui, justement, le fils est revenu 53 ans après, mais sans avoir eu une carrière d'acteur. Ah, lui, il n'est pas devenu acteur. Il est homme d'affaires. Oui. Et il y a eu une anecdote pour le film. Il a dit qu'il venait comme ça. Comme si, on dirait que Lelouch, tous ces comédiens font partie de la famille, et on dirait que c'est une famille entière, l'équipe de Lelouch. Parce que, est-ce que vous avez eu un petit peu cette impression-là, tout au long de votre vie c'est un pour être à titre, toute une vie, c'était le film de Lelouch déjà aussi. Non, mais sincèrement, c'est pas par flagornerie, mais c'est vrai que quand Lelouch m'a proposé de participer à ce dernier, à ce volet, peut-être le dernier, peut-être pas le dernier, allez savoir, hein, la vie est tellement surprenante. Mais j'avais l'impression de revenir dans ma famille. Ça a été limpide, en fait. J'ai effectivement retrouvé Anouk Aimée, retrouvé Trintignant, retrouvé Lelouch, retrouvé Antoine. C'était comme retrouver ma famille. C'était assez évident, en fait. Cette maman de cinéma qui est Anouk Aimée, avec ce film-là, avec ce personnage-là, je suppose que c'est émouvant parce qu'elle vous a suivi tout au long de votre carrière. Non, pas du tout même. On s'est revus pour les 50 ans du film Un homme et une femme. On s'est retrouvés avec beaucoup d'émotions. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle m'appelle ma fille et je l'appelle maman quand même, même en dehors, quoi, quand on a fini les prises. Elle dit alors ma fille, qu'est-ce que tu fais mets-toi à côté de moi. Attention, hein, ne me parle pas comme ça. Oui, maman, t'inquiète. Mais voilà, on a gardé cette espèce de lien qui nous relie tous. C'est vraiment une sensation d'être unis par quelque chose d'un peu unique, en fait. Hein. C'est la magie de Claude Lelouch. Mais c'est quand même particulier, cette histoire d'un homme et une femme. C'est quand même très particulier, d'abord parce que dans la vie de réalisateur Claude Lelouch, ça a été quand même quelque chose d'énorme. Ça a été la Palme d'Or à Cannes, le film a fait le tour du monde. Ça a été le film qui lui a permis ensuite de pouvoir continuer sa vie de réalisateur. Ça a été important. Et puis pour nous tous, ça a été un film important. On est tous issus de ce film-là. Enfin, on a tous subi les conséquences, les traces. On a tous la trace de ce film. Et donc, en fait, le coup de se retrouver comme ça 54 ans après, vraiment a provoqué quelque chose qui est un petit peu en dehors du cinéma, en fait. Parce que même Jean-Louis Trintignant, qui avait dit « je ne tournerai plus », donc là, même à un âge très avancé, il a accepté et il est magnifique. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Dès qu'il a un sourire ravageur, il retrouve, on dirait qu'il retrouve ses 20 ans par moment. Parce que Lelouch, il a quand même cette magie. Il sait tirer des acteurs des choses qui sont enfouies, qui sont là, tapis, et il rentre et avec son œil, avec sa caméra, et clac, il arrive à... Et à chaque fois, il y a la scène magique dans le film, la scène prodigieuse qui fait que, comme dans Itinéraire d'un enfant gâté, la scène entre Belmondo et Antonina, la scène magique, quoi. Et là, dans le film, il y a la scène magique. Qu'est-ce qu'il a pu vous voler à vous, Claude Lelouch, sans que vous en aperceviez? Il ne l'a pas volé, je lui ai donné. Oui. On se l'est mutuellement donné. En fait, je lui ai donné une partie de... Il me l'a demandé. Hein. Il m'a demandé, voilà, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, c'est quoi tes passions. Il avait envie de s'inspirer un petit peu de ma vie. Et je lui ai parlé de ma passion pour les animaux, pour mon engagement animaliste, pour la cause des animaux. Et du coup, il a fait de moi une vétérinaire. Et du coup, il était très intéressé par mon côté comme ça,
femme d'action, femme de terrain, militante, battante, voilà. Mais ça a été vous, ça, tout au long de votre vie. Vous avez toujours battu, de toute façon. Oui, je me suis toujours bagarrée pour moi, pour les autres. Et ça lui plaisait bien pour le personnage, d'avoir un personnage comme ça, qui soit un peu une femme d'action, une femme dans la vie, une femme de passion. Et donc je lui ai offert ça. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment, ça apparaît dans le film, par petites touches. Mais à chaque fois que j'apparais dans le film, c'est pétillant, c'est très sympa. Je suis très contente. Donc, est-ce que dans le film, par rapport à un homme et une femme, il y a 53 ans, qu'est-ce que vous avez préféré? Parce que là, c'est vraiment deux émotions complètement différentes. Vous aviez 6 ans, là maintenant vous êtes plus âgé. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Quelle était la plus grande émotion? C'est de revenir ou de commencer? C'est une question curieuse parce que. Oui, parce que moi je pose souvent des questions curieuses. Oui, parce que imaginez bien, à 6 ans, c'est pas un choix de ma part. Oui. Oui, je me rendais compte de ce que je faisais. Oui. Oui, comme je vous ai dit, je voulais en faire mon métier, donc je savais ce que j'étais en train de faire, moi. Contrairement à Antoine, qui dit toujours qu'il était un peu inconscient de tout ça, mais moi, je savais que j'étais en train de faire un film, je savais que c'était un métier. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que... Mais je m'appliquais quand même. Je m'appliquais trop, d'ailleurs. Ça se voit dans le film, moi. Je me connais bien et je vois bien que je suis là. J'ose pas parler, je suis là en train de... Je me surveille et tout. Alors, pour ce qui est du plaisir, je peux vous dire que c'est là que j'ai pris mon plaisir, c'est dans le Lelouch d'aujourd'hui. Vous avez mis toute votre passion d'être devenue comédienne dans ce film-là. Oui, je suis une vraie actrice et j'y ai mis ma passion et en même temps, je suis plus relaxe là. Si vous voulez, aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, je suis infiniment plus relaxe que je l'étais à 6 ans. Hein. Je me dis franchement, sincèrement, je n'étais pas du tout relaxe à 6 ans. J'étais un petit enfant assez un peu stressé. La vie n'était pas facile. On est dans les années 60. La vie n'était pas facile pour les enfants à cette époque-là. Oui. Pas que moi. Hein. On n'avait pas la vie facile. Et voilà. Mais là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis j'étais gâtée quand même. Hein. J'avais une très belle équipe maquillage-coiffure, j'ai une lumière incroyable, un mec derrière sa caméra, Monsieur Lelouch, qui sait filmer, qui sait faire des images et qui m'a rendu aussi belle que je puisse l'être à l'écran. Le résultat vous a rendu plus contente aujourd'hui Consciemment, oui. En tant que comédienne professionnelle, si vous voulez, oui, je lui fais avec joie, quoi, vraiment. Oui. Et cette nouvelle histoire qu'il a écrite, ce qu'il a inventé, tout ce qui s'est passé entre-temps, parce que c'est ça qui est magique, c'est qu'on a l'impression que ces personnages, nous, spectateurs, on ne les a jamais quittés. Ouais. Donc, est-ce que vous, ça a été aussi... C'était le cas. C'était facile de revenir tout de suite, d'en dire voilà, qu'est-ce qu'elle a fait cette fille pendant tout ce temps-là. C'était pas très difficile à imaginer finalement. Le lien entre la pension, et puis après, d'ailleurs il le raconte, on raconte dans le film, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis installée, je me suis mariée, puis finalement je suis revenue vivre en Normandie près de maman. Enfin, voilà, c'est simple. C'est ça, le logique, il n'y a pas les dialogues qui sont donnés. Le fil rouge est là. Il est tout trouvé. Alors, voilà. Parce que justement, d'interpréter le meilleur personnage comme ça, longtemps après, parce que vous avez fait aussi à la télévision des séries, et donc justement, qu'est-ce qui est le plus valorisant? Parce que c'est vrai que les personnes qui font des séries aujourd'hui, des personnages récurrents, sans arrêt, c'est tout le temps, on revient tous les jours sur les mêmes personnages. Donc, ça c'est bien aussi, ça vous plairait? Non, mais ça c'est bien aussi, parce que le phénomène de la série, si vous voulez, c'est on a le temps de développer un personnage, on a le temps de développer une histoire, c'est autre chose, mais c'est chouette aussi, hein. c'est une autre forme de travail, c'est pas la magie du cinéma, bien sûr, mais c'est pas moi. J'ai eu la chance de participer à des séries ici à Marseille d'ailleurs, hein. J'ai tourné pas mal de choses sur Marseille et j'aimais bien aussi pouvoir justement développer toutes les facettes d'un personnage sur plusieurs épisodes, sur le long terme. Ça, on nous appelle parce qu'il va falloir aller voir le public, je pense. Ça. Alors, pour finir, vous avez une actualité théâtrale donc, qui est très importante. Ah, oui. Donc, on va en parler parce qu'il faut absolument qu'on aille vous voir bientôt
en Avignon pour le festival. Ah, alors, je participe au festival d'Avignon. Ça s'appelle Le Fil Rouge. Oui. Voilà. Ça c'est l'affiche. Oui, de toute façon, on va mettre. Et je vais jouer au Théâtre Beau. Et à partir du 5 juillet jusqu'au 28, donc j'espère que vous serez nombreux à venir applaudir, à venir me voir. C'est un spectacle sur les femmes, sur les droits des femmes, sur la diversité. Le Fil Rouge. Le Fil Rouge. C'est moi qui l'ai écrit, voilà. Et puis co-mise en scène avec Manu Garcia. Et vous interprétez plusieurs personnages. Et j'interprète plein de personnages féminins, et puis mes grands-mères, et puis moi, enfin mon père. Enfin, c'est comique, c'est dramatique, je chante, je danse. Voilà. Tout le panel de ce que vous avez appris. Toute la panoplie de ce que j'ai appris. Et donc en même temps, quelle est la joie essentielle? La joie essentielle. Sur le plateau. Vous pouvez répondre en même temps. Voilà, nous allons arriver pour la projection. On arrive, on termine. Je réponds à la question. Ok, on est là dans 2 minutes. La joie essentielle dans ce truc-là, c'est le moment présent. Être là au moment présent. Le théâtre, c'est l'art du moment présent. Et le public vous le rend bien. Ah ouais. En tout cas, c'est vrai que le public ne vous a jamais oublié depuis ce premier Un homme et une femme avec les pièces de théâtre, les séries de télévision. Et puis en même temps, vos apparitions au cinéma, parce que de temps en temps, on peut dire qu'on ne vous a pas oublié dans le milieu du cinéma non plus. Ben, j'espère. Vous avez toujours eu des beaux personnages. J'espère. Swad Hamidou, merci beaucoup. Merci infiniment. Et encore merci d'être venu. Et venez voir Les plus belles années d'une vie. Ah oui, aussi. Hein? Voilà. Et Claude, donc, il n'est pas là, mais c'est vrai qu'on pense à lui. Mais il sera avec nous, il est avec nous de tout cœur. Il est toujours là. Il est toujours là. Merci beaucoup. Merci. Swad. Salut.